tu ne termines pas ton goûter. T'as commencé à éplucher ta poire, mais tu ne la manges toujours pas. Non, j'ai pas faim. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça a été au entraînement? Oui, oui, ça a été. Oui, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? On a fait beaucoup d'adresses, on a shooté beaucoup et on a fait un concours aussi et on a gagné. Tant mieux alors. Ah, bonjour Ben, comment vas-tu mon poussin? Ta journée s'est-elle bien passée? Maman, je t'ai dit d'arrêter de m'appeler mon poussin. Bah, la fac, tu connais la routine, hein, l'amphi, les partiels et tout. Hâte vraiment que ça se finisse parce que c'est lourd. Ouais, ouais, c'est ça, t'as dormi toute la journée. Mais va voir au salon si j'y suis. Ah là là, ça suffit, vous deux. D'accord, d'accord, je m'en vais, mon poussin. Ouais, c'est ça, au revoir. Allez, courage, Benjamin. Tu sais, il faut la supporter, ta petite sœur. Écoute, je t'ai fait ton dessert préféré, mais il vient juste de cuire, sinon il y a des viennoiseries. Veux-tu en prendre? Ah, super, maman, tu gères. Hop, maman, tout à l'heure, je vais réviser avec Marc. C'est très bien, c'est la dernière ligne droite, alors fais tout mieux. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, moi j'y vais. À plus tard. Allô? Ouais, allô Marc, comment tu vas? Ouais, ça va, bien rentré? Oui, je viens de rentrer. Bon, pour cet après-midi, on fait un match ou on révise? Bah, révision, hein. Révision, non? Tu rigoles, j'espère. Allez, allez, passe me prendre dans 10 minutes. Toi aussi. Bon, vas-y, j'arrive, mais laisse-toi à l'heure aussi, s'il te plaît, parce que toi, je te connais trop. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Oui, entrez, c'est ouvert. Bonjour madame. Bonjour Marc, comment vas-tu? Ça va et vous? Ça va, merci. Mais depuis le temps que tu connais Benjamin, j'ai dit de m'appeler Tati Flora. D'accord, ça marche, il n'y a pas de souci. Okay. Marc, très bon. Tu vas bien? Ok, moi. Ça va. Okay. Bah, maman, là, on va au terrain. Là. Mais je pensais que vous deviez réviser. Oui, mais t'inquiète pas, je vais faire ça après, il n'y a pas de souci. Bon, mais surtout ne rentrez pas trop tard. Ouais, hein, ça bon. Marche, d'accord. Mmh. Au revoir Tati. Allez, au revoir les enfants. Au revoir. Prends une maillot? Ah, ça fait longtemps, en fait, bien sûr. T'as vu le match de Cleveland hier là? Ouais, super match. Ah, LeBron il a assuré, non? Super match. Ah, il est trop chaud ce mec. Ah, ouais. Tu lis ça maintenant? À quoi tu joues? Tu veux devenir moine? Mais laisse ça tranquille, arrête de fouiller dans mes affaires, tu seras gentil. Oh le gars bizarre. Comment ça bizarre? Tu te caches des choses hein? Mais non, vas-y viens, on démarre, on va être en retard au match. Non les gars, vous pouvez pas vous joindre à nous. C'est une partie privée là. On veut pas de vous. T'es sérieux là? Tu veux qu'on règle ça? Tu me connais moi? Tu sais je suis qui? Vas-y calme. Quand tu veux on règle ça. Personne va rien faire. Ouais, c'est quoi ça. Viens on s'en va, viens on s'en ouais, va. C'est ça, partez. Mais t'inquiète pas, toi et moi on se reverra hein. Pas de soucis. T'inquiète pas. Vas-y viens on y va. Allez, c'est ça, partez. Ouais, c'est bon là, c'est même pas terrain là. Alors rappelons qu'il y a eu une explosion à Manchester qui a fait plus de 19 morts et plus d'une cinquantaine de blessés. On va tout de suite écouter un témoin de l'événement qui a raconté ce qu'il a vécu sur les ondes de la télévision de BBC. J'arrête de regarder la télévision. Il t'arrive quoi là? À chaque chaîne que je regarde, j'ai l'impression qu'il n'y a que des mauvaises nouvelles. Regarde la situation dans les pays du monde. Hein? Je te comprends pas. T'es humaniste maintenant? C'est quoi tes nouvelles questions? Tu te rebelles? Mais non, c'est pas ça, Christina, c'est pas ça. Tu vois, les guerres et les famines, ça montre que les hommes, ils sont orgueilleux et égoïstes, tu vois. Les guerres,
elles existent parce que les hommes, ils veulent faire leur propre justice. Et les famines, ça cause des inégalités dans le monde. Et l'homme est tellement mauvais qu'il veut toujours plus de richesses, plus de pouvoir. Et tout ça en dépit des autres. Et les attentats, on en parle des attentats? Ils font ça au nom de qui? En tout cas, le bonheur sur Terre, ça n'existe pas. Bref, changeons de sujet parce que il n'y a pas de logique dans ce monde. C'est vrai, t'as raison. Hein. Un moment, il n'a pas forcément tort sur les souffrances dans le monde. C'est vrai, mais tu sais, Benjamin, c'est pas la peine de te mettre dans tous ces états. Il y a des questions qu'on se pose, on n'a pas forcément de réponse, il n'y a pas toujours des coupables, mais on a été mis sur cette terre pour subir la vie. Donc, on arrête de parler de ça. Tout ça, c'est déprimant. Maman, on passe à table? Oui, mes chéris, vous pouvez venir. Maman vous a préparé des brocolis. Génial. Maman, toujours là en train de pleurer, Christina. Mais laisse-moi, toi. Ils aident les gens et ils se disent je suis pardonné. Ah non! Parce que si tu étais pardonné, tu étais purifié par tes bonnes œuvres, Dieu n'aurait pas eu besoin d'amener son fils à la croix. Amen. Si Jésus a été à la croix, c'est parce que nos œuvres ne peuvent pas nous sauver. Et moi, j'ai dit à quelqu'un qui me disait, mais moi, il m'a dit une chose, il m'a dit, je ne comprends pas que quelqu'un qui fait de bonnes choses se retrouve en enfer. Alors qu'il a fait de bonnes choses, on ne peut pas aller au paradis parce qu'on a fait de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ne vont pas guérir le péché qui est en toi. Il y a une seule solution, c'est Jésus. Comment tu vas? Ça va encore tranquillement? Ça va, ouais. Dis-moi, depuis tout à l'heure, je fais que de sonner et je comprends pas, enfin, tu m'entends pas. Non, cherche pas à les casser la sonnette, faut que mon père il la répare. Dis-moi, tu regardais quoi? À la télé? Ouais. Non, rien, t'inquiète. Tu viens d'où là comme ça? Je reviens des cours et après je vais aller à mon entraînement, tu vois. Ah, t'as basket après, non? Ouais, j'ai basket. T'as un petit creux, non? Ouais, totalement. Vas-y, j'allais manger en plus. Ça va, merci, hein. Voilà. Sinon, tu racontes quoi, Ben, en ce moment? Rien de spécial, hein. Mais tu sais, en ce moment, je me pose beaucoup de questions. Et je te cache pas que c'est la première fois que ça m'arrive. Honnêtement, je comprends pas. Quel genre de questions? Parce que tu me dis ça là. Bizarre ton affaire, la vérité. Mais en fait, si tu veux, je me demande beaucoup pourquoi il y a des guerres. Pourquoi il y a beaucoup de souffrances comme ça? Tu vois, il y a d'un côté, il y a des famines. Après là, tu vois, il y a des meurtres. Enfin, il y a beaucoup de violence sur cette terre et moi, je comprends plus. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu m'écoutes? Tu m'écoutes? Non, calcule pas, désolé. Tu disais quoi? Vas-y, je t'écoute. Non, Marc, attends. T'étais bien en train de prier, là. Me dis pas le contraire. Et change de sujet, s'il te plaît. Viens, on mange, non? Mais tu vois, en fait, je me posais plein de questions. Marc, toi et moi, on se connaît depuis qu'on est tout petit. Et au fur et à mesure qu'on grandit, on se sépare, tu vois. On marche plus ensemble. Et c'est ça que j'ai remarqué. Regarde, par exemple, on fait des sorties en boîte. Tu réponds pas. Je te parle de ma copine. Tu réponds pas. En plus, de surcroît, dans ta voiture, je trouve quoi? Une Bible. Je comprends plus. Qu'est-ce qui se passe? Mais de toute façon, tranquille, t'as toujours été comme ça. Mais j'aimerais bien juste, tu vois, avoir deux, trois explications. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu sais, Ben, ne fais pas de ça tout un plat. On a grandi ensemble. Tu me connais depuis tout petit. Mais pour moi, les croyances, c'est personnel. J'ai pas envie de t'imposer ma religion. Si tu veux croire en Dieu, tu y crois. Si tu veux pas y croire, tu n'y crois pas. Mais moi, je me sens pas à l'aise de parler de ça. D'accord, ok. Ok, c'est toi qui vois. C'est quand les partiels? Une semaine, là. Va falloir qu'on révise parce que sinon on va vraiment être en galère. Hein. Je pense aussi. Hein. T'as vu ça? Ouais. T'as pas faim là? Viens, on mange. Bah,
accepte. Tiens, frère. Prends-moi, Seigneur, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Amen. Amen. Nous pouvons prendre place. Comme chaque mardi, nous avons l'habitude de nous réunir pour partager autour de la parole. Et aujourd'hui, le thème, c'est l'évangélisation. Donc, à ce titre, j'aimerais qu'à tour de rôle, on puisse dire ce que cela signifie pour nous. Donc voilà, que le Seigneur nous conduise durant ce temps et sentons-nous libres de prendre la parole. Pour moi, évangéliser, c'est parler de Dieu. Pour moi, la religion, ça fait partie de notre intimité avec Dieu. Je ne me vois pas étaler ça devant tout le monde. Ça fait partie de ma vie privée. Maintenant, je me vois pas aussi pourquoi dire forcément à tout le monde « Oh, je suis chrétien ». Non, ça, Dieu le sait, pour moi, c'est le principal. Mais ton intimité avec Dieu n'est pas dévoilée pendant l'évangélisation parce que tu partages la parole de Dieu, tu parles de l'amour de Dieu et tu fais connaître Christ. Bon, moi, je considère que cela est individuel. Hein. Vous n'êtes pas d'accord, vous? Oui, mais je comprends pas trop le rapport parce que, tu vois, la Bible nous dit dans Matthieu 28, 19 d'aller de faire de toutes les nations des disciples. Certes. Mais moi, je vois pas pourquoi je vais aller m'afficher ou imposer ma religion sur la vie des autres. Il y a des gens qui sont appelés à faire ce travail-là. Chacun son appel, non? Pour moi, cette tâche-là, eh ben, elle n'est pas pour moi. Non, non, non. Évangéliser, c'est pas imposer un point de vue ou une doctrine sur quelqu'un. C'est tout simplement annoncer le salut par Christ. Jésus, quand il est venu, il ne souhaitait qu'une chose, c'était le salut de l'humanité. Amen. Et nous, en tant que chrétiens, on doit être animés de la même pensée. Mmh. Et donc, notre but, ça doit être que chacun ait pu entendre au moins une fois l'évangile dans sa vie. Imaginez que les apôtres aient gardé pour eux leur foi. Bon, que le Seigneur nous éclaire, c'est la vérité qui a franchi, et que le nom du Seigneur soit béni pour ce temps que nous avons pu passer ensemble. Et comme la Bible le dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc nous allons clôturer par la prière et demander au Seigneur vraiment qu'il puisse nous éclairer et qu'il puisse nous conduire pour la suite. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ces temps merveilleux que tu nous accordes. Nous te prions, Seigneur, afin que tu nous éclaires et que tu nous remplisses d'amour, afin que nous puissions, nous aussi, aller annoncer le salut en Jésus-Christ à nos familles, aux gens que nous rencontrons, que nous ayons le même souci que tu as manifesté. Nous te prions, Seigneur, afin que tu nous conduises et que tu nous raccompagnes chacun chez nous ce soir, au nom de Jésus. Amen. Marc, ça va? Bof, hein. Tu m'as l'air pensif, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, je suis retourné à un groupe du GBU, en fait. GBU? Oui, tu sais, c'est le groupe que je t'avais parlé la dernière fois. Le groupe biblique universitaire, avec des étudiants chrétiens, justement. D'accord, je vois. Et ça s'est bien passé? Bah, tu sais, je suis un peu perturbé, en fait. On a eu un débat sur l'évangélisation et sur le rôle du chrétien. Et je partage pas du tout le même avis qu'eux. Eux, ils sont tous unanimes dans leur vision des choses. Ils disent que pour un chrétien, en fait, c'est un devoir d'évangéliser, de parler de l'évangile. Moi, je pars du principe que le salut est individuel. Enfin, je suis pas obligé de parler de Dieu à tout le monde, chacun sa foi. Enfin, Dieu, il a laissé le libre arbitre, non? Ah, cette question de libre arbitre. Essaye de voir les choses d'un autre angle. Tu sais, aujourd'hui, tu vis ta vie chrétienne dans le confort de ton salut, sans te soucier des autres. Mais pense à toutes ces personnes qui sont autour de toi, qui ne connaissent pas le Seigneur. Toi, tu as le salut, tu as l'espérance, tu connais le Seigneur, mais ces personnes ne connaissent pas Dieu. Est-ce que tu ne voudrais pas voir ces personnes sauvées? Oui, mais je ne suis pas appelé à faire ça. Il y a bien des évangélistes pour ça. Et donc, en attendant, ces personnes périssent, alors que toi, tu connais la vérité et tu la retiens captive. Dieu nous appelle à être les lumières du monde. Et sache qu'il nous demandera des comptes pour cela. Pense à l'éternité, Marc. Ce n'est pas rien.
Oui, ça je sais bien, mais franchement, j'ai pas le courage. Dieu nous connaît, peut-être il peut comprendre. Enfin, je veux bien que tu pries pour moi, en fait. Ok, fiston. Tu vois, ça fait 7 ans aujourd'hui. Et ça se voyait que ma mère a été triste. Mais elle voulait pas trop le montrer. Et puis, il y a Christina, elle était trop petite pour s'en souvenir. Et tu penses souvent? Souvent? Non, plus trop maintenant. Mais, tu vois, il a laissé en vie. Alors qu'on partageait tellement, tu vois. Et puis, toi, tu penses qu'il veille sur nous, là-haut? Bah, tu sais, c'est difficile à dire. Hein. Tu sais qu'il est mort et... Après la mort. Elle... Ouais, mais après la mort, c'est fini. Mais bon, je suis nostalgique. Laissons ce qu'à faire. En fait, t'as compris la notion d'écart type et de variance là. Parce que moi, je te dis, et je suis largué. C'est pas possible. En fait, c'est simple. Regarde. Tu vois, ça en fait, ça te permet de connaître l'étendue d'une distribution statistique. Et voir comment se concentrent les valeurs autour de la moyenne. Regarde, la formule c'est la somme de carrés de différence à la moyenne divisée par le nombre d'effectifs. Je vais rentrer. En plus, mon cerveau répond même plus. Faut aller manger. Vas-y, viens, je te dépose, non? Non, t'inquiète. Ma minute à pied. Je suis un bonhomme, moi. C'est rien, c'est facile. Vas-y, je te raccompagne à la porte. Hein. Ah, ça marche, merci. En fait, merci pour les explications. Einstein. Ah, frère. Ah, vraiment, les mecs, moi j'ai trop faim. Faut qu'on aille au kebab. Moi je suis d'accord, mais qui paye? Moi je suis d'accord. Hein. Ouais, mais non, faudrait mieux qu'on aille se voir un petit match de foot à la télé. Mais non, c'est pas possible, non. Ça... Non. Mais pas la peine. Attends, c'est pas le gars du basket là? Il a fait le malin, non? Ok, qu'est-ce qu'on a? Retour de bloc, jeune homme d'une vingtaine d'années retrouvé sur la voie publique, inconscient, victime d'une agression physique. Il présente de nombreuses contusions sur tout le corps. Le scan crâne met en évidence un trauma crânien important avec un hématome sudural. Et le scan thoracique montre des fractures costales multiples avec rupture de la 9e, 10e et 11e côte, ce qui a perforé la rate. Les constantes? Hypotension artérielle à 8,5, tachycarde à 122 et saturation à 90%. Me surveiller toutes les 3 heures et vous me bipez en cas de problème. Ok, docteur. D'accord, ok. Allez, courage, Laura, et puis surtout quand t'as des nouvelles, tu nous tiens au courant. La marque, il arrive. Je vais aller le voir parce qu'il est pas bien. Ok, ben, on se rappelle, bisous. Je suis au courant, Marc. Flora vient de m'appeler. T'inquiète pas, on va s'en sortir. Non, dis pas ça parce que t'en sais rien toi-même. Marc, garde espoir. On va prier, le Seigneur est fidèle. Il accomplira sa volonté. Pourquoi tu dis qu'il est fidèle? S'il serait fidèle, il n'aurait pas permis ça.
Benjamin, il mérite pas ça. Je sais, personne ne mérite ça. Mais en plus, c'était qui ces personnes-là? Pourquoi s'attaquer à lui? Marc, arrête de te poser tant de questions. Allons nous reposer pour être en forme demain, afin de soutenir Ben et sa famille. La personne reste que ça à faire, hein. Dormir. Non, Seigneur, je veux pas de ça, Seigneur. Je veux pas qu'il meure, Père éternel. Pourquoi tu me fais ça, Seigneur? Sérieusement, pourquoi tu permets ça, Père éternel? Benjamin, c'est mon frère, Seigneur. Ne me l'enlève pas, Père éternel. Qu'est-ce que je t'ai fait? Dis-le-moi, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Ne vois-tu pas ma douleur, hein? Je ferai tout, Seigneur. Je ferai tout ce que tu me demandes, Père. Mais je t'en supplie. Ne me l'enlève pas, Père éternel. Ne fais pas ça. Et... Mais où étais-tu quand ça s'est passé, hein? Seigneur, où étais-tu? Seigneur. Vois ma douleur, Père éternel. Où suis-je? Y a quelqu'un? On dirait que je suis mort. Est-ce que je suis mort? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? C'est quoi ce livre là-bas? Livre de vie. Il y a des noms inscrits dessus, mais il n'y a pas le mien. Non, non. Je suis Jésus, le Dieu qui ôte le péché du monde. Je suis la vie éternelle. Personne ne vient au Père sans passer par moi, le Prince de paix. Dieu, est-ce que tu es là? Dieu, ne me rejette pas, s'il te plaît. J'ai jamais entendu parler de toi. Regarde. Tu lis ça maintenant. À quoi tu joues? Tu veux devenir moine? Mais laisse ça tranquille, arrête de fouiller dans mes affaires, tu seras gentil. Et en toi, il y a une seule solution. Marc. C'est Jésus. Ben, comment tu vas? Ça va encore tranquillement? Ça va, ouais. Dis-moi, tu regardais quoi? À la télé? Ouais. Non, t'inquiète. Moi, je comprends plus. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu m'écoutes? Tu m'écoutes? Non, calcule pas, désolé. T'étais bien en train de prier, là. Me dis pas le contraire. Change de sujet, s'il te plaît. Viens, on mange, hein. Marc! C'est donc ça qui me cachait, Marc! Il te connaissait! Pourquoi, Marc? Pourquoi il m'a jamais parlé de toi? Pourquoi? Benjamin, parce que tu ne me connais pas, moi non plus je ne te connais pas. Ton nom ne figure pas dans le livre de vie. C'est pourquoi... Ta place n'est pas à mes côtés, mais là où tourment et souffrance se confondent nuit et jour, pour l'éternité. Non, non! Marc, t'es où, Marc? Pourquoi tu m'as jamais parlé de la vie éternelle? Pourquoi tu m'as jamais parlé de Dieu? À cause de toi, je suis perdu pour l'éternité. Marc! Si seulement t'avais osé me parler de Dieu. Si seulement t'avais osé me parler de la vie éternelle. Et voilà, je suis ici. Pour l'éternité. Si seulement, Marc, si seulement. Tu revois un morceau de poulet? Non, merci. Et toi, Marc, comment te sens-tu? Mais Marc, réponds-moi, ça va? Ça fait 5 jours que tu n'es pas parti voir Ben à l'hôpital, qu'est-ce qui se passe? Je révisais.
Es-tu bien sûr? Parlons-nous. Le lendemain de l'accident, en fait, je dormais et je crois que Dieu m'a parlé. Tu crois? Je sais pas. En fait, j'ai vu Benjamin, il était dans une grande pièce. Il était face au livre de vie. Mais son nom, il n'y était pas. Et il me le reprochait, en fait, et sans cesse, il me disait: mais si seulement Marc m'avait parlé de Dieu. Si seulement Marc m'avait parlé de Dieu. Si seulement Marc m'avait parlé de Dieu. Sois pas si triste, fiston. Tu sais, la Bible dit que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Alors confesse tes péchés au Seigneur et il te pardonnera. Seigneur, pardonne-moi. J'ai eu des occasions de parler à Ben, Seigneur, mais je ne l'ai pas fait. Ne permets pas qu'il meure avant que je lui parle de toi, Jésus-Christ. Docteur, il convulse, il convulse! Arrêt cardiaque! Chariot de réa, vite! Amen. Tu as eu les mains percées, clouées.